Bon les gars, c'était peut-être pas une bonne idée d'aller faire dodo à 2h du matin hier et de boire 2 tasses de café avant de m'endormir. Les gars, j'ai décidé de vlogger cette petite journée, je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo. Une journée avec moi, une journée dans ma vie, je retourne enfin à l'université après 1 an et demi d'absence. Vraiment aucune idée, mais du coup je vlog cette journée parce que ça fait 1 an et demi que... Mais du coup, je vlog cette journée parce que ça fait 1 an et demi que je n'ai pas mis les pieds dans mon université. Avec le Covid, j'ai eu cours en ligne pendant 2 ans. Ensuite, je suis partie du coup 6 mois à Madrid. Donc, je ne suis pas retournée à l'UNIF. Et là, c'est la première fois que j'y retourne en 1 an et demi. Je suis un petit peu stressée. Mais en vrai, j'ai trop hâte. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Vraiment, j'ai 10 millions de choses à faire. Là, on a exactement 25 minutes pour s'apprêter en vitesse. Et ensuite, on va passer à l'étape numéro 2. Donc, je vais faire une petite transition saut 2013. Je vais m'apprêter et je reviens. On adore. J'en connais une qui est un tout petit peu forcée sur le blush par contre. En vrai, ça va s'estomper avec le temps. Donc là, je me suis apprêtée, lavée, maquillée, brossée les dents, habillée, tout ce que vous voulez. Du coup, on va passer à l'étape 2. C'est-à-dire qu'on va aller se faire un petit café pour bien commencer la journée. Et on va partir en job étudiant. C'est parti pendant 2 heures. Il est midi 8, le prochain step ça va être... Une erreur. Siri, je ne t'ai rien demandé. Il est midi 8 et prochain step, on va aller manger en ville. Je vais tester un nouvel endroit de burger qui a l'air trop cool dans le centre. Donc du coup, let's go, j'ai hâte de me péter le bide. J'ai un peu le temps de pouvoir parler parce que du coup je suis la seule en classe. J'arrive toujours méga tôt vu que je dois prendre le train. Il n'y a absolument personne avec moi. La salle est totalement vide et du coup pour ceux qui l'auraient pas compris, je vlog aujourd'hui parce que c'est ma première journée de cours depuis 1 an et demi. Je n'ai pas remis les pieds dans cette université depuis 1 an et demi, c'est très grave. Et du coup là j'ai mon cours de International Business Law qui va commencer dans quelques minutes. Vraiment je suis toute paniquée. À mon avis ce sera impossible que je vous vlog pendant le cours parce que bon ce sera un peu abusé. Et là je vais un petit peu relire mes cours donc en vrai on se retrouve à 18h dès que mon cours est fini. J'ai trop hâte. Bon les gars, je suis de retour chez moi, il est 20h, j'ai à peine de rentrer à l'instant, vraiment. Mes affaires sont jetées partout à terre, je viens à peine de rentrer, je suis hyper fatiguée. Vraiment, j'avais oublié ce que ça faisait d'aller à l'université, d'aller vraiment étudier, d'apprendre quelque chose. Donc vraiment, j'ai mal à la tête, je suis hyper crevée. C'était une belle petite journée de rentrée, en vrai, plutôt sympa. Mais du coup, on va la continuer demain, parce que yes, je suis toujours pleine de surprises. Je vais du coup continuer ce petit vlog sur 2 jours. C'est mes 2 jours principaux à Maastricht, c'est mes 2 cours de 3e que j'ai cette année. Donc du coup, je vais essayer de vous vlogger tout ça demain aussi. Comme ça, on aura un petit vlog de qualité avec beaucoup de contenu et pas seulement 5 minutes de vlog. En plus, j'ai aussi remarqué que les vidéos que vous préfériez, c'est littéralement les vidéos de challenge. Les vidéos un petit peu drôles. Donc moi j'aime trop tourner des vlogs. Mais quand j'en ferai ce sera vraiment hyper rare. Et ce sera surtout des petits vlogs pas super longs. Pas des vlogs de 15-20 minutes. Mais vraiment des vlogs qui font même pas 10 minutes. Donc j'arrête le vlog d'aujourd'hui ici. C'est la chandeleur. Donc je vais descendre en bas. Il est 20h. Mais peu importe, je vais aller faire des crêpes maintenant. Et du coup on se retrouve demain matin pour ma 2e petite journée de rentrée. Ça va être fatigant. Vraiment, demain, ça va être très fatigant.
Hello les gars. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis rentrée des cours, du coup j'ai eu cours de 11h à 13h aujourd'hui. En vrai de vrai, je me voyais mal vous vlogger ma journée d'aujourd'hui parce que de 1, il faisait froid, il faisait trop moche pour que je sorte ma caméra. J'ai vraiment juste été en cours et rien d'autre et je suis rentrée directement après. Mon bureau est dégueu. Mais je pense que ça peut être quand même sympa de vous parler quelques minutes et de vous raconter un petit peu ce que je fais de ma vie. J'avais reçu un message d'une personne qui m'avait demandé de parler un peu de mes études. En vrai, je ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour parce que je me vois mal commencer à tout vous raconter maintenant. Mais en vrai, si ça vous intéresse, je pourrais vraiment vous faire une petite vidéo là-dessus. Là, je suis partie me chercher à manger. Petite chit-chat mukbang en vitesse. Ici, on a un mellow cake, un petit cookie et dans ce petit pot des chouquettes. Vraiment, j'aime trop les chouquettes. J'ai pris un mellow cake que j'ai jamais goûté, c'est genre chocolat au lait. Déjà, j'aime pas le chocolat au lait, donc pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Fourré vanille. Et vraiment, j'ai peur, j'ai très très peur. Ok, je suis pas sûre d'aimer. J'aime bien. En vrai, c'est grave bon. Mais je suis vraiment pas fan du chocolat au lait quoi. Je préfère 10 fois plus le chocolat noir. Mais c'est très bon. Trop bon. C'est pâtisserie, c'est littéralement le premier repas que j'ai de la journée. Donc du coup je les savoure comme jamais. Du coup pour vous expliquer en 2-2 pourquoi cette vidéo de rentrée est hyper courte, c'est parce que j'ai tout simplement pas énormément d'heures de cours à l'université en fait. J'ai 3 jours de cours par semaine et j'ai seulement 2 heures de cours par jour en fait. Donc c'est vraiment pas assez que pour faire une vidéo super longue etc. sur mes études et sur ce que je fais là-bas à Maastricht. Mais je trouvais ça quand même intéressant de vous emmener avec moi. Je ne sais pas vraiment emmener avec moi en soi, mais de vlogger comme ça 2 petits jours ma rentrée parce que vraiment ça m'a fait super bizarre de retourner là-bas. Ça faisait 1 an et demi que j'avais pas été à l'université. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle est vraiment très courte. Elle est un peu vide. Hein. Cette vidéo est un peu vide. Ça change aussi un petit peu des vidéos que je fais en ce moment, même si je compte revenir avec des concepts très cool. Du coup dites-moi si vous avez des questions sur mes études, sur ce que je fais, sur mon université en général, et j'y répondrai avec grand plaisir. Par contre le cookie je suis pas fan, mais je le prends tout le temps. Trop bon quand même. Sur ce je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo qui sera beaucoup plus fun. Bisous.